j'ai pas de message à transmettre. Il faut juste constater qu'aujourd'hui, il y a une réalité et qu'il revient aux Algériennes et aux Algériens de transformer la société de façon pacifique et démocratique. Il n'y a pas de message. Et le message, il est là. Il est le fait que Ziou Yahia est de retour chez lui, c'est aussi une nouvelle flamme. C'est un moment de bonheur. C'est pas que la tristesse, c'est le bonheur. C'est-à-dire, voilà, il est chez lui et le nationalisme pour lequel il s'était engagé maintenant se transforme en lutte pour la démocratie, l'équité sociale, etc. C'est une journée importante parce qu'on a réussi à, nous, la famille, a réussi à exaucer deux vœux. Celui de mon père, qui a souhaité, qui à la veille de son décès, a souhaité que l'on ramène son père, qu'il soit enterré à côté de lui, et le vœu de Ziou Yahia lui-même, puisque en Tunisie il était malade, et à 100 ans sa mort prochaine, il a émis le vœu d'être enterré dans un cercueil, en disant qu'il voulait être enterré chez lui, auprès des siens, quand l'Algérie aurait acquis son indépendance. C'est dire à quel point le nationalisme était ancré dans sa façon d'être, dans sa culture, et dans la culture du village, de la région et du pays. Donc il incarne ce nationalisme pour lequel mon père s'est aussi battu. Et je crois qu'on peut dire aujourd'hui qu'on a réussi la mission, qui a été celle de ramener Ziou Yahia à côté de ses parents. Thank you.